Si on a choisi la place Bellecour pour commencer ce reportage sur la Tour Eiffel, ce n'est pas un hasard. Oui, ce monument, le plus connu d'Europe, devrait se trouver derrière moi. C'est une simple enquête sur l'urbanisme lyonnais qui m'a amené à cette découverte. Et en 5 ans, les évidences se sont cumulées. C'est donc aux archives de la mairie de Lyon, en cherchant des informations sur l'urbanisme lyonnais du début du siècle dernier, que j'ai donc découvert ce qui m'a poussé à dévoiler cette vérité étouffée. Parmi les différents documents concernant les bâtiments, j'y ai trouvé un dossier sur une tour de communication. La date du dossier a commencé à éveiller ma curiosité, et en l'ouvrant, le nom de l'entrepreneur ainsi que certaines illustrations m'ont plus que surprise. J'ai donc tenté de contacter l'administration de la ville de Lyon. Personne n'a accepté de me dévoiler quoi que ce soit. Seul le petit-fils d'une proche d'Edouard Herriot a accepté de nous parler sous anonymat. La Tour Eiffel était à l'origine un projet militaire. Elle devait permettre d'établir un réseau de communication afin de mobiliser toute l'armée instantanément en cas d'attaque. Elle devait être construite à Lyon, puis devait servir de relais entre Paris, Lyon et Marseille. Mais en 1884, alors qu'aucun projet français n'était prévu pour l'exposition universelle, le gouvernement a décidé d'utiliser cette tour. Ainsi, elle devait être démontée à la fin de l'exposition universelle, puis remontée à Lyon, place Bellecour, 20 ans plus tard, soit en 1906 à peu près. En contrepartie, la ville de Lyon était équipée d'une tour provisoire en attente de l'avant. Cette tour provisoire, elle existe encore et les Lyonnais la connaissent bien. Elle est elle-même appelée familièrement la Petite Tour Eiffel. Après quelques recherches, nous avons donc découvert que cette tour a de nombreuses similitudes avec sa grande sœur. La première, c'est l'altitude. Le sommet de cette tour culmine donc à 315 mètres de haut, profitant de la colline de Fourvière pour compenser le manque des deux premiers étages. De plus, celle-ci n'est autre qu'une adaptation du troisième étage de la vraie Tour Eiffel. Nous avons ensuite cherché pourquoi le démontage de la Tour Eiffel n'a pas été effectué. Et nous avons découvert que, compte tenu des difficultés rencontrées pour le démontage et le transport, les villes de Paris et de Lyon ont convenu d'un arrangement. La tour appartiendrait à la ville de Lyon seulement 99 ans après la signature du contrat. En échange, la ville de Paris payait l'aménagement de la place Bellecour pour y accueillir la tour. Plus tard, dans notre enquête, nous avons été amenés à rencontrer un urbaniste qui nous a aidés à parler de ces fameux aménagements. À Lyon, il y a deux gros chantiers qui ont été financés par la ville de Paris. Le premier, en 1973, c'est la ligne A du métro. Le rapport avec la Tour Eiffel prend tout son sens lorsqu'on regarde le tout premier tracé de la ligne, imaginé sous le mandat d'Edouard Herriot. En effet, en regroupant les informations de Monsieur Blanc et d'autres témoins, on découvre que Edouard Herriot a mis tout en œuvre pour préparer l'arrivée de la Tour Eiffel. La création du parking souterrain sous la place Bellecour fait partie de ces aménagements. On peut se demander si ce parking est réellement adapté au flux de voitures qu'attirerait la tour. C'est en comparant les plans du parking et ceux de la tour Eiffel que l'on découvre que la construction d'un parking souterrain n'est qu'un faux prétexte. C'est pour comprendre pourquoi la tour Eiffel n'est pas redevenue lyonnaise en 2005, arrivé au terme du contrat de 99 ans, que nous avons décidé de finir notre enquête à Paris. Arrivé à Paris, notre première étape consistait à aller aux archives pour trouver l'original de ce fameux contrat. Mais arrivé sur place, nous étions apparemment attendus. Après ce premier échec, nous avons pu rencontrer le directeur de la SET. Pour éviter un nouvel échec comme celui de la veille, nous avons préféré nous équiper d'une caméra cachée. Et nous avons eu raison, car si pendant l'interview, M. Sette se contentait de nier, hors caméra, il était beaucoup plus bavard avec nous. Alors forcément, moi, en tant que directeur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, j'ai été mis au courant de ce dossier. Après, vous doutez bien qu'on m'a demandé de ne pas en parler. Quand vous dites « on », vous parlez de qui, en fait ? Alors, je peux pas vraiment vous dire de qui il s'agit, le « on ». C'est quelqu'un du gouvernement, c'est ça ? Oui, ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est même quelqu'un de haut placé dans le gouvernement. D'accord.
Ce quelqu'un de haut placé s'est par la suite révélé à nous en nous écrivant ce courrier pour le moins explicite. Madame Houdin, ayant été mise au courant de votre enquête concernant la Tour Eiffel, je me permets de vous rappeler que ce monument est devenu le plus important d'Europe et qu'il représente notre pays. Si notre capitale en était démunie, les conséquences touristiques et économiques de notre pays pourraient être graves, voire catastrophiques. Par conséquent, je vous invite à ne pas continuer cette enquête, et encore moins de la rendre publique. Signé le président de la République, Jacques Chirac. Ce courrier montrant l'ampleur du complot m'a plus que déterminé à le finir et le diffuser. C'est pourquoi j'ai contacté toutes les chaînes nationales, mais là encore l'influence gouvernementale s'est faite ressentir. Pardon, mais comment ça, mis au courant ? Écoutez, le responsable des programmes est en vacances, je préfère pas en parler, je suis désolé. Bah ça va bien finir par se savoir. C'est encore trop tôt, peut-être l'année prochaine, je peux pas vous en dire plus. Finalement, emmenez-moi à Roissy. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un courrier pour le moins curieux. Madame, préférant rester anonyme, je préfère vous envoyer ce courrier plutôt que de vous rencontrer directement. 6 juin, une copie du bail de la Tour Eiffel. Je vous invite à prêter une attention particulière à l'article 18 du contrat. Ne connaissant pas l'origine de ce contrat, impossible de savoir s'il s'agit d'un faux ou de la copie du vrai contrat. Quant à ce fameux article 18, il stipule que la ville de Lyon n'a que 2 ans à compter de la date de la fin du bail pour entamer une démarche pour récupérer la Tour Eiffel. Au-delà, la tour serait la propriété de la ville de Paris. C'est pourquoi, ayant tout juste dépassé ces 2 années, la censure a été levée et la diffusion de ce documentaire rendue possible. Si vous avez aimé ce reportage, ne manquez pas la semaine prochaine la vraie histoire des pyramides de Gizeh et pourquoi elles n'ont pas été construites en Antarctique malgré leur forme conçue pour de fortes chutes de neige. Ensuite, nous vous dirons pourquoi. Pour des raisons économiques, les gouvernements nous ont fait croire que la Terre était ronde alors qu'elle est carrée. Pour finir, nous irons aux États-Unis rencontrer un homme menacé de mort par la CIA pour vouloir divulguer un secret qui pourrait mettre en péril l'économie mondiale. Oui, l'essence pourrait être remplacée par un mélange de soda et de sirop de menthe sans aucune modification du moteur.